Jerusalem. Le chemin du paradis, c'est le chemin où tu dois enlever les faux cheveux. Le chemin du paradis, c'est le chemin où tu dois enlever les faux de terre. Le chemin du paradis, c'est le chemin où tu dois enlever les vêtements sexy. C'est ça le chemin qui mène au paradis. Si tu veux aller au paradis, c'est ici que tu vas choisir. C'est ici que tu choisis comment aller au ciel. N'enlève pas ton cœur. N'enlève pas ton cœur. Tu veux choisir le chemin de l'enfer. Le chemin de l'enfer. Et le chemin où tu portes les vêtements déchirés. Le chemin de l'enfer. Et le chemin où tu vis dans le copinage. Le chemin de l'enfer. Et le chemin où tu continues à boire de l'alcool. Le chemin de l'enfer. Et le chemin où tu continues à fumer la cigarette. Et ça, le chemin qui mène à l'enfer. Et le péché qui te rend esclave. Tu ne veux pas sortir de ce péché. Tu es en train de marcher dans le chemin qui mène à l'enfer. Mais Jésus-Christ te parle. Est-ce que tu crois que tu peux supporter l'enfer? Non, ne suis pas ton cœur. Toi, Jésus-Christ te parle. Toi, qui t'es dépigment de la peau. Tu es sur le chemin de l'enfer. Toi, tu regardes les vidéos pornographiques. Tu marches sur le chemin qui mène à l'enfer. Toi, qui regardes le football. Et le chemin dans le chemin qui mène en enfer. Tout bien célibataire. Répentez-vous de vos péchés. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Lorsque l'homme riche est descendu au séjour des morts, je t'aime. Mais Dieu aussi amène les gens en enfer. Tu refuses d'abandonner ton péché. Tu refuses de te répandre de ton péché. Le 25 décembre. Même Jésus-Christ, monsieur fait le 25 décembre. Jésus-Christ n'a jamais fêté le 25 décembre. Même Jésus-Christ, monsieur fait le 31 décembre. Jésus-Christ n'a jamais fêté la fin d'année. Rentre-moi dans la parole de Dieu. Entre-moi dans la Bible. Parle du 25 décembre. Là où Jésus-Christ a écrit 25 décembre. Parle du 25 décembre. Là où on a une tempête le 25 décembre. Alléluia. Amen. Montre-moi dans la parole de Dieu. Parle Jésus-Christ fait au 25 décembre. Là où Jésus-Christ a fêté la Noël le 25 décembre. Le 31 décembre. Le 31 décembre. Tout blessé les bâtards. Répandez-vous de vos péchés. Tout blessé les bâtards. Répandez-vous de vos péchés. 25 décembre, c'est hier.
l'église catholique qui l'a entraîné dans le monde pour perdre les âmes. Mais toi, je te le dis, n'investis pas ton cœur, ne gaspille pas ton argent. C'est la fête de Noël, car Dieu n'est pas dedans. Amen. Jésus. Gloire à Jésus, gloire au roi des rois, gloire au lion de la tribu de Juda. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes là pour évangéliser. Nous sommes à la ville de Ravensbourg. Je suis avec la servante de l'Éternel Péniel. Salut. Et il y a des âmes qui sont en train de nous écouter. Ils sont contents d'entendre le nom de Jésus. Alléluia. Et que le Saint-Esprit les saisit et que l'esprit de repentance saisit les cœurs et qu'ils abandonnent le péché. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Tu as besoin de te repentir.
Say Asanga Yadu. Say Asanga Tolewara. Il faut changer. Hallelujah.
Alléluia, Jésus, 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 Allélu
rendras au jugement. Tu devras rendre compte de ta vie. Ta vie d'adultère, ta vie de démon, ce qui t'appelle à te repentir. Repentez-vous. Tu es la fornication. Tu es la débauche. L'enfer est sous tes pieds. Toi qui mènes cette vie. Cette vie, je te le dis en vérité, tu rendras compte. L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Après la mort, l'être humain entre dans l'éternité. Après la mort, c'est l'éternité. Après la mort. Pourquoi c'est la vie dans l'éternité? Pourquoi tu es mon Dieu? Pourquoi tu t'en fous? Vive ton Créateur. Tu ne te reprends pas. Un jour tu vas regretter. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton cœur. Si tu ne reviens pas à ton Créateur, revenez. Revenez à Dieu. Les gens préfèrent aujourd'hui se livrer au monde. Les gens donnent plus de l'importance au monde que de donner de l'importance à leur âme. Bien aimé, je vous assure, je vous le dis en esprit, en vérité, l'enfer existe. L'enfer existe. Le ciel existe, l'enfer existe. Beaucoup de gens aujourd'hui pleurent. Les gens la tombent en enfer. Les gens la tombent en enfer parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance qui est la parole de Dieu qui peut les emmener à se détourner du péché avant de mourir. Repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. Repentez-vous. Sortez de la débauche. Sortez de là. De la masturbation. De la culture. Alléluia. Tous les jours, tu fais pleurer ta femme parce que tu la trompes. Retends-toi. Retends-toi. Et reviens Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Éternel appelle l'humanité à se repentir. Éternel appelle l'humanité à la repentance. Éternel vous appelle à se repentir. L'éternité, si la mort te prenait ce soir, oui, je m'adresse à toi. Je m'adresse à ton cœur. Toi, ivrogne. Toi qui vis dans le péché. Toi qui vis dans l'adultère. Toi qui vis dans les pratiques, les marabouts, les ganga. Je te le dis, si la mort se trouvait ce soir, tu passeras du temps en éternité. Que diras-tu à Dieu? Que diras-tu à Dieu? Toi qui vis dans la débauche, que diras-tu à Dieu? Si la mort se prenait ce soir, que diras-tu à son Créateur? Que diras-tu à ton Créateur? Reviens, revenez, les temps sont finis, repentez-vous, il fait chaud en enfer, repentez-vous, il fait chaud en enfer. Repentez-vous, sors de l'homosexualité, repentez-vous, sors du lesbianisme, repens-toi, les temps sont finis, Jésus revient. Peuple de la terre, les temps sont finis. Qui fait vivre le personnage de Noël. Mais ayez de l'intelligence. C'est la créature de Dieu qui va faire vivre ce personnage de Noël. Qui porte des toges. Oui, rouge. Et qui commence à animer le personnage de Noël. Mais ayez de l'intelligence. Comment pouvez-vous tomber si bas?
Dieu vous a créé avec de l'intelligence. Comment pouvez-vous tomber si bas? Comment l'ennemi peut réussir à vous faire tomber dans sa malice de rien de ces choses? Ils sont montés. Ils pouvaient adorer le Dieu de manière inconsciente. Ils sont montés chez Maraja. Chaque fois que vous fêtez Noël, l'enfer est en joie. Parce que ce sont les anges qui reçoivent les marques de la bête. L'enfer est en joie. Vérité. Oui. Pendant que la tristesse de Dieu se révèle, vous dites, regardez ce peuple que j'aime. Ce peuple s'égare. Ce peuple rentre dans les ténèbres. Ce peuple se perd. Et vous dites que Dieu n'est dans la joie. Dieu n'est nulle part dans cette terre. Nulle part dans cette terre. Vous devez être dans la tristesse. Vous devez déchirer votre cœur. Pour vous répandir, parce que c'est une abomination devant le trône de Dieu. Sortez du mensonge, sortez de l'idolâtrie, sortez de l'idolâtrie, sortez de l'idolâtrie. Maintenant,
Répands-toi dès à présent. Toi qui te dis serviteur de Dieu, prophète, apôtre, appelé de Dieu, bishop, archibishop, révérend, comme tu peux, les noms que tu veux te donner, mais tu continues à vendre l'évangile. Sors de ce mensonge. Sors de ce mensonge. N'a-t-il pas écrit dans ta parole, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'Éternel n'a pas ainsi écrit cela dans sa parole. Je vous ai donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez en retour gratuitement. Toi qui continues de vendre la parole de Dieu. Toi qui continues de vendre l'évangile. Toi qui continues de vendre les eaux bénies. Toi qui continues de vendre les huiles bénies. Abandonne ce mensonge. Abandonne ce mensonge. Abandonne ce mensonge. Toi, pasteur, toi prophète, toi évangéliste, pour qu'une âme en détresse te rencontre, il faudra que cette âme puisse donner une enveloppe. Il faudra que cette âme puisse payer, comme à l'hôpital, une consultation. Mon bien-aimé, sors de ce mensonge. Sors de ce mensonge. Tout homme est appelé à passer en jugement. Il dit dans sa parole que ce jour-là, beaucoup diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait les consultations de voyance en ton nom? On est là pour évangéliser. On est là pour dire les vérités. Je ne veux pas le destin de ça. Repentance! Repentance! Vous qui vivez encore dans le péché de la fornication, l'impudicité, le mensonge, sortez! Sortez! Sortez du péché! Sortez! Repentez-vous! Repentez-vous! Allons dans le camp ennemi. Allons, allons, allons. Tu dis que les magies, c'est la route quand même. C'est la route. Ah. C'est pas la route. Et tu joues, c'est la route. Dans ma main, je ne connais plus la route. Une fois, deux fois, on est parti l'autre jour encore, non? Alors bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le secret de Noël? Le secret de Noël, ouais. C'est un mensonge. Un mensonge qui a été édité par le diable, je dis bien le diable, pour divertir le monde. Jésus-Christ, qui est esprit, il est venu dans ce monde pour nous sauver de nos iniquités. Qui connaît sa date de naissance? Personne ne connaît sa date de naissance. Dans la Bible, est-ce qu'on a parlé de Noël dans la Bible? Est-ce qu'on a donné la date de naissance de Jésus dans la Bible? Non. Donc, je mets au défi quiconque qui pourra donner la date de naissance du Dieu qui créa les cieux et la terre. Christ, celui qui suit Christ, doit suivre l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ qui a écrit l'évangile. C'est la parole de Dieu pour sauver l'humanité. D'accord? Est-ce que Christ a dit de fêter Noël? Est-ce que Christ a dit de fêter Noël? Est-ce que Christ a fêté Noël? Là, c'est une question. Est-ce que Christ a fêté Pentecôte? Ça ne vous étonne pas? Tout le monde fête Noël, même les musulmans fêtent Noël. Ah non, c'est les musulmans, non. Oh, tout le monde fête Noël. Shalom frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie.
Voici, le Seigneur nous appelle encore à aller vers les nations, à aller vers les peuples, à toutes les oreilles qui sont disposées pour entendre l'évangile de Christ et leur prêcher la parole de vie et leur prêcher le message de la repentance. Et voici encore les temps de fête dans le monde qui s'approche et le Seigneur nous dit allez vers ces nations et dites-leur que je reviens bientôt. Dites-leur que le royaume des cieux est proche, qu'elles se repentent, qu'elles abandonnent leur mauvaise voie et qu'elles reviennent à l'Éternel. Et c'est dans cela que nous sommes, c'est dans la préparation que nous venons de terminer et nous nous apprêtons à aller sur le champ de bataille. Gloire à Jésus, shalom, shalom. Shalom, shalom, gloire à Jésus, peuple de Dieu, voici, nous arrivons à quelques moments de la fin de notre séance d'évangélisation. Et voilà notre bien-aimé, le frère Jacques à côté, qui a été un soldat vraiment enflammé sur le terrain. Donc nous allons échanger avec lui pour voir comment ça s'est passé en quelques mots. Shalom, shalom, frère Jacques, shalom, comment vous allez? Gloire à Jésus, Saint béni, que le Seigneur vous fortifie. Voilà, aujourd'hui, voilà, nous sommes sortis pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots vos impressions, la manière dont ça s'est passé? Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? Shalom, shalom. Shalom. Et nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est vrai que aujourd'hui nous sommes sortis pour évangéliser la population de nos frères, nos bien-aimés, nos soeurs qui marchent selon les passions de ce monde. Et il y a certains qui sont en état chrétien, mais qui ne marchent pas vraiment dans la vérité. Donc sur le terrain aujourd'hui, nous sommes allés et nous avons abordé quelques frères. Et bon, selon les interventions, bon, on a reçu quelques réactions. Par exemple, nous avons vu un frère qui disait que Jésus l'a lu, il n'est pas Jésus. C'est la religion musulmane ou rien. Donc on a parlé, donc on a dû le laisser. Il y a aussi d'autres sœurs aussi qui nous ont approchés. Bon, on leur a apporté le message. Elles disent qu'ils ont compris que dans les jours à venir, ils viendront nous visiter pour recevoir encore. Donc on remercie le Seigneur vraiment. Et il y a d'autres aussi qui disent qu'ils sont dans cette voie. Voyant notre parure, la manière dont notre habillement est, et ça leur convient et ils sont vraiment touchés. Et ils nous ont abordé que vraiment, quelle est la situation de notre église. Et on leur avait expliqué. Donc, ils sont le Seigneur. Ce n'est pas notre volonté, mais c'est la volonté du Seigneur qui s'est manifestée. Donc, que la gloire nous soit rendue. Shalom, shalom. Gloire à Jésus, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes avec la sœur Marie. Gloire à Jésus. Et shalom, sœur Marie. Comment vous allez? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, aujourd'hui nous sommes sortis évangéliser. J'ai l'assurance que vous avez rencontré plusieurs personnes également. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos impressions, la manière dont ça s'est passé et un petit mot de fin? Avec plaisir. Shalom, shalom. Seigneur de Dieu, vraiment le terrain, le Seigneur Jésus a été avec nous et on a donné tout ce qu'il a mis dans notre bouche. Mais malheureusement, vraiment, le monde est vraiment plongé dans les ténèbres, vraiment sombres, très très sombres. Et on a raconté beaucoup de choses. Il y en a les chrétiens, nos frères et sœurs, qui n'ont même eu la grâce, ou bien la chance de voir cette partie de la sanctification dans la Bible. D'autres nous posent la question, c'était où? Ça aussi, c'était où? Oh, c'est quel message ça? Il y a d'autres qui nous disent de ne pas dire au monde de ne pas fêter les saints des sables. Que l'évangile que nous prêchons là, nous troublons le monde. Que pourquoi, avec une colère comme ça, je dis, oh, gloire à Dieu. Parce que ce message a touché les cœurs. Donc nous rendons grâce à Dieu. Il a déjà commencé. Il est en train de faire de grandes choses. Et à tout moment, on prend la Bible, on leur montre. Parce qu'on ne prêche pas l'évangile qui vient de nous. C'est Jésus nous prêchons. Exactement. Donc si quelqu'un est dans l'ignorance, on doit l'éclairer un peu. Donc je bénis le nom du Seigneur pour de grandes choses. Shalom, shalom.